On est tombé sur une des meilleures photographes au monde, Monique Richard. Alors avec elle, c'est facile, mais des fois, c'est difficile pour moi. C'est un métier de poser. Habituellement, je suis dans un personnage, donc là, c'est étrange, mais avec Monique, c'est facile. Le fait de faire une session de photo que d'être à la télé. À la télé, on dirait que j'ai à penser à rien, ou comme là, présentement, dans le fond, je pense juste à répondre à la question, à parler avec toi. Je me dis pas comment ma main est placée, est-ce que ça, c'est bien? Je m'en fous parce que ça passe, ça bouge. Tandis qu'en photo, ben, tous les détails sont importants. La manche, si elle est là, c'est pas bon, mais si elle est là, ah, là, c'est bien. Alors, c'est vraiment autre chose. On dirait que la photo, il faut juste penser à comment... Il y a toute une équipe hein, qui travaille autour à placer tout ça. Et il s'agit de penser à comment on sent à l'intérieur. C'est une émotion qu'on doit livrer. Donc, pour celui-ci, c'était le cocooning, être bien, faire dehors, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Peut-être qu'il ne fait pas si chaud. Hein? Et voilà, donc c'est plutôt travailler l'intériorité en fait. La plupart des choses qui sont dans mon garde-robe, je les ai achetées sur des shootings, sur des émissions de télé. Alors, mais moi, en tant que telle, dans la vie de tous les jours, là, je suis habillée bien là. Depuis longtemps, j'utilise des produits Yonka. Je vais voir la même esthéticienne. J'ai essayé de changer et pour le visage, on dirait que juste ça qui fonctionne. La maquilleuse sur l'émission à l'Orangeuse utilise les produits Nuxe et franchement, j'aime ça beaucoup. Sérum crème fraîche de beauté. Ça, là, pour moi, ça fonctionne très bien. Alors, c'est Manon, c'est la meilleure coiffeuse au monde, mais elle ne prend plus de clients. Alors, ça fait des années que je travaille avec Manon, chez elle, chez moi, dans les studios, partout, et une chance qu'elle ait.